Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au cœur des Dolomites pour de nouveaux cols. Je suis au départ de Malgaccia Pella, je vais passer par la Passo Fedaia, redescendre sur Canazze, puis prendre la route de Val Gardena où je vais passer par Passo Cella, un col vraiment magnifique. Ici, on voit le passage des cyclistes avec des écritures de partout sur la route à la peinture, ce qui est quand même pas très agréable quand il pleut, il y a de gros risques de glissette là-dessus. L'enrobé a récemment été refait, là c'est vraiment nickel, c'est du billard encore. Et une belle série de virages qui arrivent avant d'arriver au col. Les alpages ici sont encore de toute beauté, vraiment la belle nature, beaucoup de chance.
ici sur le plateau, il y a une retenue d'eau sur la gauche là avec un barrage. Mais bon, ça n'a pas l'air trop rempli quand même, hein. J'attaque la descente sur Canapcé, mais la route est pas exceptionnelle, donc on va un peu raccourcir la vidéo et on va de suite se retrouver après Canapcé en direction de Passo d'Isella. Ici on commence à voir les formations rocheuses qui dépassent derrière, ça a l'air vraiment gigantesque. C'est la magnifique formation rocheuse du Pisbo. On peut avoir aussi des vues de cette formation de la Passo Porderie. Effectivement, c'est vraiment magnifique ici.
je découvre la vue sur Passo Cella avec ses trois formations rocheuses exceptionnelles. On pourrait les appeler les Tree Brothers. Un petit parking, je m'arrête pour prendre quelques photos du quartier. Maintenant, je prends la direction de Selva di Val Gardena. On a une vue magnifique sur l'Autriche. Là-bas, au fond, c'est l'Autriche, c'est le nord des Dolomites, le Tyrol autrichien, quoi.
d'ici, on arrive à Plan di Gralba. C'est à ce carrefour qu'on peut prendre la direction de Passo Gardena. Pensez à me laisser un petit pouce en l'air et à bientôt dans les Dolomites.